Serve delicious. Bon, bienvenue à toutes et à tous. Donc, on joue à Cook Serve Delicious 2. Vous m'aviez vu jouer avec Mister MV en avant-première mondiale. Presque. Lors du The Event, nous avions eu une clé du dev qui nous avait envoyé une clé alors que le jeu sortait que le 13 octobre. Et on est le 5 octobre. 13 septembre, pardon. Le jeu sortait le 13 septembre. Et j'ai toujours pas joué en solo. Donc on va jouer en solo. Hein? Qu'est-ce que j'ai foutu? Start game. Marche pas. Local save. Ah! Merci The Beer pour le sub! Cloud save. Alors on va go sur la. Local save. Ah! Donc Cook Serve Delicious, c'est quoi? Alors oui, ils disent qu'il y a eu un update sur le mode designer. En fait, on peut créer son propre restaurant, etc. Cook Serve Delicious, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu dans lequel, eh bien, il faut faire des plats à des gens dans un restaurant. On est le jeudi 5. Ouais. Jeudi 5. Pardon. Donc là, vous allez me dire faire des plats. Bon, d'accord. Et alors, en fait, chaque touche correspond à ce qu'on doit faire. Vous allez voir, c'est très simple. Il y a les commandes ici. Ce que je dois faire par là-bas, vers le milieu de l'écran. Et plein de trucs autour qui font de la merde dans l'interface. D'accord. Donc on va jouer par session de 40 minutes, comme c'est, comme c'est la tradition ici. On fera des petites pauses toutes les 40 minutes. Parce qu'en plus, ce jeu demande quelques pauses. Hein. C'est très, vous allez voir, c'est très intense. Alors, on va faire la campagne du jeu, bien sûr. Tower Player Options. Food Catalog Designer Tutorials. On va pas faire les tutos, on va directement aller à la Tower. Alors, this is all new campaign where you can run your own cook serve delicious restaurant or work in other restaurants across the tower. Nail perfect. On s'en fout. Good luck. D'accord. Be sure to try the tutorials. Ils disent bon, essayez les tutos parce qu'il y a quand même plein de trucs dans le jeu, plein de nouveaux trucs dans le jeu. Et voilà, c'est chiant. Bref, le jeu nous dit quoi? Le jeu nous dit que vous pouvez faire votre propre restaurant dans le Cook Serve Delicious ici, ou alors essayer de servir des plats dans des restaurants déjà faits. Alors je sais pas trop. Tu devrais faire les tutos, il y a des infos importantes. Ah ouais? Vraiment? Basique, 1 minute, 20 sec, drink, delicious, course, buzz. Bon, ça a pas l'air très long. Oh, c'est vachement bien d'avoir mis la durée du tuto ici. Vous ne pubez pas? Vous ne pubez pas? Ah, oh, il faut que je pube, merde. Vous avez raison, on va faire le tuto, comme ça les gens sur le stream comprendront. Cook Serve Delicious 2. Maintenant. Avec une majuscule après une virgule. N'en déplaise aux gens. Paf! Pif, paf. Dis donc pour te remercier pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup, Sveig. Alors voilà, donc on va faire le tuto. Comme ça vous comprendrez ceux qui n'ont jamais vu. Les restos préfets, c'est une bonne approche pendant les premières heures de jeu. Allez, the basics, 3 minutes, moins de 3 minutes, environ 3 minutes. C'est parti. Bienvenue, bienvenue, c'est la kitchen test, blablabla, on s'en fout. Enough talk, let's cook, voilà. Select the order by clicking the order on left. Très bien, alors. Donc, Cobalion, merci pour ton sub. Donc on appuie sur 1 pour faire le premier plat qui est ici, donc 1. Alors, là on nous dit plein de trucs, mais en gros je vais vous expliquer comment ça se passe. La personne ici nous demande ce qu'elle veut. Elle veut queso, rapaleños et R beans, d'accord. Donc on va faire queso, donc queso c'est la touche Q. Ensuite elle veut rapaleños, donc on fait J. Et ensuite R beans, B comme R beans. Voilà. Et là on fait quoi? Après on fait Enter, et ça sert son truc, et elle est contente et elle s'en va. Deuxième commande. Alors là on va mettre meat patty, parce que vous savez que patty c'est aussi la viande. Plus en américain qu'en anglais. Et là on te dit voilà, alors là elle est en train de cuire en fait, et si t'arrives à rendre ta viande quand t'es dans le verre, ce sera bon, et plus tu attendras, moins tu gagneras de points. Donc là regardez, hop, elle est dans le verre, hop, j'appuie sur 2 pour reprendre la commande, et là j'ajoute donc mon meat patty avec M, mon bacon avec B, mon cheese x2 avec C, cheese cheese, lettuce avec L, et enfin regular bun, c'est à dire refermer le truc avec. Là on se dit R, et là on se dit oh mais il est pas là. Mais en fait non, on a un deuxième menu si on appuie sur espace. Donc espace, ici regular bun. Et donc on a les deux menus avec espace. Donc regular bun, R, entrée. Et voici le hamburgers. Et voilà, alors là on te dit il y a les commandes bien, les commandes vite fait et les commandes ratées, qui vont évidemment changer l'appréciation des clients. Là on te dit quoi? Top of the screen. Alors voilà, ça c'est la petite nouveauté dans le Cook Serve Delicious 2. C'est à dire qu'on peut préparer des plats à l'avance. Voilà. D'accord. Et on te dit, essayez d'accepter cette commande-là, vous allez voir que vous ne pouvez pas, parce qu'en fait, vous êtes obligé de la faire dans un truc de holding station, donc avant. Merci à tous. Vous êtes, vous aussi, vous êtes beaux.
Voilà, donc on te dit sélectionner donc la holding station avec tab plus 1. Voilà qui est fait. Et là on va sélectionner donc le pretzel avec la touche A bien sûr. Et on va mettre donc German pretzel. Paf, enter. Et là on va attendre que ça cuise. Et ensuite une fois que ce sera prêt là-dedans, on pourra lui donner. On peut faire en attendant tab 2 et préparer d'autres pretzel en attendant. Et voilà, d'accord. Voilà. Et donc ça c'est la nouveauté un petit peu difficile, c'est-à-dire, mais par contre ça en prépare 4 d'affilée, c'est-à-dire que là s'il y a 3 gars qui arrivent, je fais 1, 2, 3 et puis c'est bon. Order complete, one serving has been... Voilà. Alors là il dit t'en as 4 et tu fais 1, 2, 3 et t'as fait tes 3 commandes, c'est énorme. Et donc ta food decrease bien sûr, donc t'as la bouffe qui baisse au fur et à mesure, etc. D'accord. Alors vous avez eu les basiques, machin, voilà les bases, très bien. Donc voilà les bases du jeu. On n'a pas encore le beurre sur le brésil en effet. Alors optional food, 1 minute. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'adore la musique de ce jeu, c'est vraiment... La BO est tellement énorme. Holding station, optional foods are orders that can either be prepared in a prep station or made ahead of time. In a holding station, start by selecting the order on the left and prep it. Très bien. Nuggets, N. Et là, dunk, c'est donc, évidemment... Voilà. Et une fois que ce sera cuit, comment on va savoir quand est-ce que c'est cuit? Eh ben rien du tout. On fait enter et on va savoir quand c'est cuit une fois qu'on le met là. Parce qu'en fait, tant que vous avez pas appuyé sur entrée, on considère que ça cuit pas. Ça cuit pas ça. Et là, tant que c'est vert, paf! Et elle est contente. D'accord. Voilà, donc là on dit je peux le faire à l'avance. Donc fais-le à l'avance, connard. On va, vous voyez là, on peut sélectionner dans les menus. On va dans Nuggets. On met des nuggets, on dunk. Ah non, c'est vrai, on peut en mettre 4. 1, 2, 3, 4. Paf, go. Et là, ça va cuire. Et là, on peut avoir 4 mecs qui vont arriver, qui vont dire « Salut, des nuggets !» Et comme ça, on fait « 1, 2, 3, 4 !» Et c'est... les 4 sont contents. Voilà. 1, 2, 3, 4 ! Et tout le monde est content. 1, 2, 3, 4. As you can see, you can serve a lot more orders faster this way. But beware. H is optional food. Take up space that might be better used for side dishes or more holding station required foods. Eh oui, bien sûr. It will be up to you to find the perfect balance with each menu. Good luck. Alors bien sûr, hein, il faut faire attention à son, à qu'est-ce qui prend de la place dans les holding menus, voir qu'est-ce qu'on met en priorité, etc. Side dishes, 20 secondes. ITV Webix, merci pour ton sub. Le titre. Ah merde, le titre. La cuisine. Cook serve delicious. Ah, y'a pas le 2. Ah si. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Customer won't wait for the order for very long. Voilà, là c'est... Hé, les gens vont pas attendre 10 ans. Hein. Donc là, ça veut dire que les gens attendent en moyenne 2 secondes, c'est ça? As you can see, this order that arrives is quickly going off the screen. It disappears completely, it will be counted as bad order. Alors attendez, parce que là, en fait du coup j'ai rien fait parce que... Voilà, on va restart. Qu'est-ce qui se passe? Ah non! Ah non, il est con. Il est con, il a pas le truc. Non. Toujours pas. Tutorial side dishes. Et donc lui, il va rester 2 secondes. Du coup, j'ai rien fait. Voilà, et donc là... Ah, pourquoi il y a écrit 2 secondes? Attendez. Can see how long customer will wait by the patient meter measured in second. This meter will drain as you make more and perfect food. Ok, to increase customer patient, make side dishes. D'accord. D'accord. Donc on fait la holding station. Alors pour faire des sides, les gens attendront plus. Putain, je savais pas ça. MR Toco. Merci pour le sub. Carotte. Donc A comme carotte, T comme tomate, R comme crouton et U comme concombre. Paf, et voici une salade. Et là, ils attendront en moyenne plus. Génial. 2 secondes, c'est le temps avant que la commande commence à disparaître. Ah, d'accord. Ce jeu n'existe pas en français? Bah peut-être que si, je pense. Après, en vrai, t'as pas vraiment besoin des tutos. Qu'est-ce que je veux dire? Ok, donc ça, je savais pas, en effet. Alors, les drinks et les delicious. Allô? Ça marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Ah, parce qu'en fait, on choisit direct si c'est clavier ou... Voilà, plus rien qui marche. Ah, ça marche. Ah, c'est juste lire. Ah, c'est du texte, d'accord. Pff, ça, c'est dur, hein. C'est dur. Ma vie, c'est dur. Hein. Drinks and delicious.
Drinks like dishes allow you to add extra income to every entry. Mais en fait, ça, je comprends pas. Ça veut dire qu'en gros, c'est pas comme avant. En gros, maintenant, ils disent, ouais, je voudrais un hamburger. Et tu leur dis, bah tiens, prends en plus une salade et un truc. Parce que voilà, ça fait de l'extra income à chaque commande. Ok. Ok. Ah ouais, en plus, ils peuvent refill. When a customer order a drink and a side dish and their entry order is done perfectly, we earn a delicious rating. Voilà. Et ça, c'est le truc. Quand un client commande une boisson et un side dishes, et qu'en plus tu fais la commande perfectly, c'est-à-dire que tu le fais dans le bon temps et tout, tu auras donc un delicious rating. Ça te donne des tips, donc des. Comme des bits, des trucs en plus. Et du yum, big boost. Alors ça, c'est le nouveau truc. C'est un supplément, voilà, c'est ça. Petit supplément. Course. Every entry is a set of unique boosters and detractors, not of which deal is the game score. Some food are overly trashy, resulting in a larger amount of trash called per day, while others are relatively clean, making room for that many food order. Mais ça, c'est comme le. Attends, by failing to do a core, you will earn a sick rating, which decrease your buzz. Voilà, ça c'est comme le buzz. D'accord. Bon, le buzz, on connaît. C'est déjà quand on peut faire monter le buzz avec chaque truc qui détermine. Un jeu développé par Andrew Burger. Continue, j'adore ce que tu fais, tu me divertis quand je suis au plus bas. Oh non, Andrew Burger ne fait pas des jeux de cette trempe. Il fait des jeux bien plus aboutis. Merci beaucoup, Mister El Toro TV. Ah, ça c'est bien de savoir ça. Le buzz de votre propre restaurant n'est pas affecté par vos performances dans les autres restaurants. Mais donc le buzz, oui, je savais après. Cool move! Keyboard user can fully remap their key for holding station. Ouais, bon, ça non. Les gens attendent en moyenne 2 secondes. Bonjour, je voudrais ça. Bon, ça vient. Bonjour, je voudrais un hamburger. C'est cuit? Non! On game pas, on s'en fout. Try holding down a shoulder button while pressing up, down, left, right to a select station. This will cause you to skip very other prep station. Non, mais ouais. Non, mais ça, y'a pas de problème. Donc on peut tout remap, d'accord, pas de problème. Non, moi je remappe pas, j'estime que les développeurs ont bien fait leur travail. Alors on va commencer par les restaurants qui sont déjà faits. On avait un petit peu commencé avec MV à en faire certains avec des... Ça c'est le niveau de difficulté, les tocs. Donc on va essayer de faire chez Max. Alors on peut faire donc des vieux trucs. Non, c'est nachos, vieux hot dog, pretzel et... ça je sais pas ce qu'il y a dedans, ça doit être une sorte de poulet, bâtonnet de poulet frit avec de la sauce dessus. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça commence? Ah, c'est juste le logo. Alors c'est bon. Et donc là, on a des médailles. Donc médaille viewer, c'est-à-dire faire le jour avec moins de 8 bad order. Médaille d'argent, complete the day with fewer than 5, donc moins de 5 erreurs. C'est corn dog. Ah oui, c'est un corn dog, c'est ça! Quel idiot. Les tocs, c'est juste le nombre de menus que tu n'as pas fait. Ah ouais. Et enfin médaille d'or, donc médaille impossible à avoir pour les viewers. Perfectly no average, bad order, ça c'est quasiment sûr que je le ferai pas. Et les rewards c'est quoi? Hein? Ah d'accord. Là je pense qu'on va faire du silver à mon avis. Peut-être, j'en sais rien. Si ça se trouve j'aurai la médaille viewer dès le début. Donc est-ce qu'on a des trucs déjà dans les préparations? Oui, on peut faire des corn dogs. On va faire un petit corn dog. On va faire sur le 2 des pretzels. Des German. Ensuite en tape 3 on va faire encore des corn dogs. Et en 4 on va faire des bretzels classiques. Voilà. Et là hop on peut en rendre un. Ah il veut quoi? Ketchup moutarde. Pas de problème. Lui il veut quoi? Ketchup. Pas de problème. Et là du coup on peut pas remettre table 1. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu? Oh, on peut les jeter. Merde. Corn dog. Ah ok, on peut les jeter, j'avais pas vu ça dans le tuto. Lui il veut quoi? Moutarde. Hop. Il t'a dit quoi faire? Faut suivre la commande de la HS. De quoi j'ai fait quoi? J'ai fait une connerie? J'ai fait des conneries. Ah attendez, j'en ai plus des bretzels là. Ah d'accord, en fait je l'ai fait trop en avance, c'est ça? Ah. Paf. Les toilettes. Fluche. Sanitize. Et donc là, je comprends pas, y'a un truc que je comprends pas. Refais les bretzels, tu t'es gouré. Ah vous croyez? Genre là, bretzel. Ils voulaient quoi alors? Des classiques? J'ai fait les deux pourtant. Mais lis. Je peux rien lire. Je peux pas prendre la commande. Et du coup il va les avoir. Ils arrivent. Rush hour alert. Du coup je fais n'importe quoi. Et donc là on les a. 4, qu'est-ce qu'il veut? Queso? Sour cream? Un truc c'est que je pourrais faire la première lettre du truc, mais comme souvent c'est pas le cas, je me méfie un petit peu. Wiener! Salut Neyos! Merci pour le sub! Lui il veut quoi, moutarde?
Faut suivre la commande quand tu fais les préparations. Ah, mais je pensais pas qu'en faisant de la prépa, il y aurait de la. Parce que c'est pas comme ça. Rush hour le soda. Open the ice and fill it up. Quoi? C'est quoi déjà? Oh, faut que je me remette en tête les touches, hein. Ça va pas être simple. Hein. Qu'est-ce qu'il veut? Premium bun. Premium bun. Cheese. On va rater beaucoup de commandes. Les trucs. T. S. Très bien. Et donc là, ils voulaient quoi? Select food, machin, optional food. C'est écrit où en fait ce qu'ils veulent? Genre là, attendez. On va rater. Genre là, comment je sais? Ah là, en gros, il y a les trucs devant. Là, il y a les classiques devant, donc c'est des classiques. C'est ça que ça veut dire? Ah non, c'était écrit là, d'accord, je viens de le voir. Queso, sour cream et herbine. B comme herbine. 4. Qu'est-ce qu'il veut? Moutarde. Oh, j'arrive, Dayos, hein, voilà. Queso, sour cream, rapalenos, herbine. Herbine, 5, 6. 1. Wiener. 3. Les poubelles. T. S. Sanitize. 5. 6. Qu'est-ce qu'il veut? Rien. Ni ketchup ni moutarde. Eh bien, écoute, il n'y a pas de problème. Allez, paf, pour la 1, qu'est-ce qu'il veut? Waouh, il veut tellement de trucs. Premium bun. Ensuite, il veut cheese. Relish. Chili, H comme chili. N comme oignon. Moutarde, ketchup. Putain, la vache, quoi? Bon, je me suis trompé dans quelque chose. Queso, rapalenos. Herbine. 3, 2, qu'est-ce qu'il veut? Open the ice. Fill it, seal. Ah, parce que les gens, eh oui, parce que les gens se servent eux-mêmes. On vient de comprendre. Trash. Ah oui, là il faut bam bim boum bam bim. Il faut mâcher le truc. Ah, faut lui mâcher le travail. Paf. Paf. Bon bah ça tape 2, on va refaire des bretzels. Ah mais non, on peut pas en faire en avance. Ah merde, comment on cancel? Comment je cancel? Ah comme ça. Ok, regular bun. Paf. Cheese, chili, oignon, moutarde. 2. Eh mais c'est dur de faire aussi vite The Team du Sud, merci pour ton sub. Non, c'était pas du tout ça. Tu t'appelais pas du tout comme ça. Les rats. Ah, les rats. L, C, S. Oh, les LCS. K, M. Paf, 2. Open the ice, fill it. Open the ice. Open your ice. Ah oui, c'est vrai qu'il faut attendre. Il a pas mis le cheese. Ah, c'est ça que j'avais oublié. Parce que ça devait pas être C comme cheese. J'ai tenté de faire au clavier à l'arrache. Voilà. F, S, paf, from scratch, boum, winner. Et là, c'est la fin. T'as plus rien en réserve. C'est normal. C'est normal que j'ai plus rien en réserve. Alors, qu'est-ce qu'il veut, German? Ah ouais, d'accord, c'est ici que c'était. Voilà, mais ça, c'est vachement dur à faire vite, en fait. Alors, cheese, bah, c'était C. Mais pourquoi j'ai raté? Relish, ketchup. Je sais pas pourquoi j'avais raté. Ensuite, ils veulent quoi? Ah oui, des cornes trucs. Des cornes trucs. Paf. Vite. Voilà, 1, 5. Ah, évidemment, vous comprenez qu'on peut pas trop lire le chat pendant qu'on joue à ce genre de jeu. Ah, voilà, queso, sour cream, rapalenos, très bien. Le 6, wiener, 3. Ah, j'en ai plus, mais ça arrive. Les corn dogs, ça arrive. Normalement, maintenant, voilà. Très bien. Moutarde, hop, le 1, wiener, le 2, queso, rapalenos, et herbine, c'est B. Faut pas que je me trompe. 6, premium bun, boum. 2, O, I, S, boum, 1, regular bun, on passe, cheese, chili, oignon et moutarde. Oh putain, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Queso, sour cream, B, bam, 2, queso, sour cream, rapalenos. Le plus important dans ce genre de stream, c'est de flouder sur les dons. Va te faire foutre. C'est rien, on se connaît. Calmez-vous, quand même, il reçoit de l'argent, il râle. C'est bon, hein, on se connaît. Voilà, 1, 2, T, C, S. Putain, mais c'est interminable! Qu'est-ce qu'il veut? Premium bun, espace cheese. Et voilà, ça allait vite là! Premium bun, cheese, relish, ketchup. Putain! J'hallucine! Pretzel bun, cheese, ketchup. Ils sont pas patients, hein. Queso, rapalenos, herbine, 2. Oh putain, ça c'est l'enfer! 2, W. Release, unload, S, boum. Les toilettes, parce que les gens savent pas tirer la tête. La chasse. J'arrive plus à parler. Les gens n'arrivent pas à tirer la chasse dans ces restaurants, c'est normal. Hein. Alors, T, mash, sanitize. Très bien. On va pas mettre ton truc en prépa. C'est fini! Le plus important dans ce genre de stream, c'est de flouder les subs, les dons, les beats, ça met dans l'ambiance, surtout pendant les rushs. Très bonne idée, Romy, je participe. Ah, c'est terminé, Dayos! C'est raté, Dayos!
Non, t'avais dit quoi au fait avant? J'avais oublié de prendre la beau, tiens, pour mon pécule, fier troubadour qui divertit mes longues soirées d'hiver. Je prendrai un burger avec ça, s'il te plaît. Alors, on a fait un bad order. Putain, c'est dommage, hein. C'est dommage, c'est dommage. Franchement, on a presque fait un sans faute. Bah, on aura la médaille d'argent, bon. Putain, à un près, on avait la médaille d'or. Dommage. Mais bon, c'est normal. Pas de problème, c'était la première game. Alors, la médaille viewer. Bah, j'ai eu mieux, évidemment. Bah, normal, attends. Alors, du coup, comment on débloque les autres? Peut-être qu'il faut jouer un peu dans le mien. Ça, c'est vrai que j'ai pas vu food catalogue. Alors, du coup, le food catalogue. Ah oui, non, voilà, les trucs verrouillés. Oh, mais il y a 1 milliard de trucs quand même de base là. 1 milliard de trucs, j'ai l'impression. Le designer, c'est pour faire son propre restaurant. Pas du tout, c'est si tu fais que des perfects, la médaille d'or. Ah, d'accord. T'étais à 1 de rater la médaille viewer. Mais non! Fallait rater au moins 5 trucs. Dans mon cœur, j'ai réussi, donc ce n'était pas un échec. Ouvrez vos chakras et vous verrez que j'ai raison, les gens du chat. Faut passer des levels pour unlock les autres. Ah oui, bah oui, bien sûr. Alors d'accord, on va mettre 3 bouffes. Bah là, on a que 3 bouffes, donc bon, on n'a pas le choix. C'est quoi? Céréales? Et des Salisbury steak. Comment ça, des céréales? Mais qui va manger ici? Ah, des mac and cheese! Excellent. Et des soda fountain. HS stat on. Quoi? Ah, on peut activer ou désactiver? Je comprends pas. Ça veut dire quoi ça? On dirait des croquettes pour chien. Non, mais c'est des céréales avec des petits bouts de banane. J'ai l'impression. T'as masse boule. Ouh, j'ai masse boule. 2000$. Non, mais je vais attendre. Pour l'instant, je fais rien. Je peux vous dire steak gastro. Mac and cheese, trop bien. Manger des céréales dans un restaurant? Bon, c'est pas vraiment un restaurant comme vous pouvez le voir, hein. Bah, active. C'est des préparations. Bah ouais, les holding stations, mais pourquoi on les activerait pas? En fait, c'est ça que je me demande, genre ça fait quoi d'activer ou de pas activer? À part qu'elles sont dispo dans le jeu, je veux dire. Pour débloquer les autres restos, faut monter en level. Active. Bon. Je veux pas dire, mais MV est meilleur. À la première game, il l'était pas vraiment, hein. Je te conseille d'aller voir les vidéos de The Event. Heure de jeu égale, moi je crois que... Ah, mais c'est vrai que tu juges pas heure de jeu égale. Ah ouais, mais si vous faites ça aussi... Alors... 5 fois combo, ça va aller. 2 perfect, ça va aller. 5 delicious order et une single day. Alors, les delicious order, moi j'ai toujours rien compris. Hein. Serve 500 rings, bon, ça c'est les hauts faits, milestone et performance. Les delicious order, j'ai pas compris. Vanillil, merci pour le sub. Alors, hein, du coup, on peut pas. En théorie, on peut pas préparer, d'après ce que j'ai compris. Parce que du coup, ils vont pourrir. Et ouais, voilà, parce que là je prépare, mais ça sert à rien. Merde. Sors de là. Là, on les jette. Si je fais ça, ça fait un truc chaque fois. Hein. Sinon, je reste là-dedans, j'attends qu'un mec arrive. Voilà, et là, German, boum! Toujours pas compris comment on sait. Hein. Donc, lui par exemple, butter et steak. Je vais faire des macaroni. Je vais faire des mac and cheese. Et donc là, si je sers son steak avec des mac and cheese, j'aurai un truc délicious. C'est marqué à la commande en bas. Ouais, bon. Toujours pas compris ça, mais bon. Alors, on va essayer de servir avec un... Avec un side. Je vais essayer ça. Je vais essayer. Lui, il veut quoi? Butter steak. Alors là, si on fait ça, steak, il veut au gravy. Et comment j'ajoute le side? C'est ça que je sais pas faire, en fait. Comment on le sélectionne en fait. Ouais, c'est automatique. Ah, c'est automatique. Ah, ok, d'accord. Oh, je suis un abruti. Steak au gravy. Ah ouais, d'accord, ça sert les sides tout seul. Putain, génial. Génial, encore des mac and cheese, vite. Génial, d'accord, d'accord, d'accord. Ah bah c'est easy. Oh, mais c'est trop facile. Est-ce qu'on peut rater une commande à un moment ou pas dans le jeu? J'arrive pas à parler en même temps. Alors, juicy machin. Ah! Du lait et des blueberries. L comme blueberry. Logique. 3. Oh, faut refaire des bretzel. Merde! German. Yeah. 2. Steak. M gravy. With a side. Yeah. Alors, juicy machin. Avec du lait et des L comme blueberry. 4. Butter steak. 5. Butter steak. 6, ça part. Pour la 3, du beurre, du steak. La 1, on veut des wheat avec du milk.
Pour le 2, qu'est-ce qu'il veut? Des céréales? Non, on n'est pas un restaurant de céréales. Un peu de respect. Il faut refaire des macaronis. Allez, les macaronis, là. Je veux que ça reparte. Voilà, ça se met là-dedans. Ça cuit les steaks. Ok, ça cuit, c'est bien. Allez, on faut remettre de la glace, là. Ces abrutis, ils veulent de, du frais. D'avoir moins de boissons. Merde, je me suis trompé. 4, on veut prendre le 4. Je me suis trompé, c'est pas grave. Celle-là, elle sera bad. Voilà. Le 4. Steak au gravy, le 5. Le steak, le gravy, formidable. Le 3. Je savais pas si on pouvait sortir du menu. Allez, ça marche, ça détaille, ça sort les poubelles. On veut des céréales. Les Choco Crispies. Ah oui, H comme Choco Crispies. Évidemment, 2. Ok, c'est cool, vous pouvez vous reposer, le service est fait. Fire machin, c'est quoi? Fire Blast, Milk. Voilà le 4, le lave-vaisselle. W. R-U-S. Bam, bam, bam. Voilà. On va prendre les bails un peu. Ah non, on peut pas sortir de la commande si on se trompe. Ah ouais, bien ce que je pensais. Open, ice, seal. Paf, 1. Et alors là, on va refaire un petit peu de macaroni parce que ça craint. Hein. Ah, j'ai fait un délicious machin là. Première fois que je vois le truc. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je crois que je me fais voler. Attendez, c'est quoi? Ah oui, c'est vrai, middle kick, power kick, high punch, power punch. Allez, ça dégage. 4, j'ai vu qu'il y avait une donation. Merci beaucoup pour ton message, Baba Cool, pour les blablabla, qui donne un tips sur les bretzels, visiblement. Merci beaucoup. HS2 pour les bretzels, tu peux pas choisir quel type tu as préparé, c'est imposé quand tu les crées et les clients sont contents avec ça. Ah, d'accord. Ah oui, donc là, vu qu'il y a écrit classique, j'ai écrit classique, d'accord. C'est bien ce que je pensais, du coup, c'est pas écrit avant que... Juicy, machin, du milk, des bananes, P comme banane, on est ravis que le raccourci corresponde pour une fois. Du beurre, du steak, on y va, ça cuit. Du 4, qu'est-ce qu'il veut, Choco Crisp? C'est sur le H, très bien, avec du lait et un petit peu de blueberry peut-être. Blueberry, L comme blueberry, on est content. Les sides, ça continue, le 3, les toilettes, le flush, le sanitize, boum. Le 5, c'est un D, c'est un W. R-U-S, on connaît les binds. Toi-même, tu connais les bind, boum. Est-ce qu'on ferait pas des petits macaronis puisqu'on a un petit peu de temps? Allez hop, des macaronis, ça part. M, boum, le HS. Bim. Steak, medium gravy, boum. Ça c'était bien cuit que t'en pouvais plus. 4, butter, steak, 5, 8. C'est interminable, combien de temps ça dure? Le 2, ils veulent de la glace. Bien évidemment, le 6. J'ai appuyé sur 6. J'ai bien appuyé sur 6. Allez vite. Merde, les bretzels. Vite, German. Yeah, this is German Bretzel, yeah. 5, 8, les M8, c'est le 8, le machin, les... Ah non, Blueberry, c'est bon. Le 4 avec steak et oat gravy, pas de problème. 6 avec de fiber, pour ce temps-là, on rend la 1, évidemment. Le milk, les bananes. 3 pour le butter steak. 4, je dis 4, je dis juicy, je dis milk et blueberry. Le 5 avec des cornflakes pour la première fois. Quelqu'un qui change de goût. Le 4, peut-être plus de bretzel, plus de side, je ne vois plus de macaroni. Comment ça se fait? On va préparer 2 d'un coup, peut-être des classiques bretzel en side, je ne sais pas. 2, oui, du steak. Il n'y aura pas de side, désolé, hein, pas de problème, mais il n'y a pas de souci. Le 3, hop. On va attendre qu'il y ait du side, on attend. Paf, il y a du side, formidable. 5, ça remet du, ouais, de la glace, ice, seal, excellent. On est à 44 secondes d'attente quand même, hein. ils ont le temps d'attendre, hein, vu tous les sides qu'on a servi. Ok, c'est un D, c'est un W et c'est un RUS, hein, RUS, voilà, très bien. Le 6, qu'est-ce qu'il veut? Juicy, du lait, très bien. 2, qu'est-ce qu'il veut? Steak, gravy, G comme gravy, on est d'accord. 4, butter steak. Les trucs, les cafards. Oui, les roaches, hein, Bending Bust, roach, tout ça on connaît. M8, du milk, paf, le 1, ça part avec du side et du gravy, bien évidemment. Tab 4, je veux du macaroni à l'infini pendant que les poubelles sont mâchées. Voilà. Et les toilettes sont tirées alors que le bretzel est confié en 1. Le 4, c'est terminé. Nous avons terminé, mesdames. Qu'est-ce que c'est long? C'est interminable. Ils prennent vraiment leurs céréales avec des pâtes quand même. Ah bon? Ah, ça me bouffe un side, les céréales. Merde. Merde. C'est stressant de faire la cuisine. Bien sûr. Putain. Bon, ça cuit, hein. ...44,50 secondes. Bon, on a fait 47 perfect, 0 bad, 1 average et 34 delicious. Donc là, on n'aura pas la médaille d'or, c'est ça? Waouh! Ah oui, c'est de l'opening case. 32 x 32 murs.
Waouh. Donc si on va très vite, on voit rien de ce qu'on a looté. C'est très important. C'est extrêmement important. Mimitius, merci pour ton sub. Bon écoutez, on va faire une petite pause. On va revenir dans 5 petites minutes pour que chacun respire un coup. Et voilà. Dis-toi que chaque commande, si t'as un site de prêt, ils en prennent un. Et ouais, je sais bien, je sais bien. Mais non, pas les... Ah ouais ? Même les genre les corn dogs et tout. Truc de fou. Voilà l'opening box que les gens voulaient. Du coup, j'ai gagné $600 à peu près. C'est pas mal. Ah, en fait, les side dish, une fois fait, pour chaque commande que tu envoies bien faite, tu fais plat plus. Du coup, ça utilise un stack par commande, que ce soit céréales ou sushi. Ah ouais, d'accord. D'accord, quelle que soit la commande. Toutes les commandes. Ah ouais. Même les pains-viandes, quoi. Pain-viande. Bon, bah ok, nickel. Ça marche. Bon, bah écoutez, on va faire une petite 5 minutes de pause. $600, c'est 5 minutes de stream. Bah non, là, du coup, c'était un peu plus. T'as bien vu. Bon, allez, on revient dans 5 minutes. Même les boissons, genre le mec vient chercher un soda. Hop, un petit mac and cheese avec. Bah, il a raison. Ça fait longtemps que j'avais bouté tes streams. Désolé, les jeux que tu faisais à un moment donné me plaisaient pas. Y'a pas de problème, Elrazil. Et je te remercie pour ta grande générosité. Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir voir des jeux qui vous plairaient pas a priori. Vous pourriez être surpris. Genre FIFA par exemple. Oko Kujin, merci pour le sub. Allez, on se retrouve dans 5 petites minutes, à tout de suite, après la pause. Merci à tous.